Allez, on va rentrer dans la piscine olympique. On va pas passer par les échelles. Il y a une entrée là-bas. C'est noir. On reviendra tout à l'heure avec la lumière. Alors on a le grand bassin de 50 mètres là, avec toutes les tribunes. Il n'y a plus que les libellules qui s'y baignent. Ah là-bas, il hésite à plonger. Là, ça part de partout là. Il y a du bruit, on n'est pas trop loin d'une route. On ira voir là-bas tout à l'heure. Bon bah la nature a repris le dessus. Hein. Ah, pareil. Ça doit aller dans les vestiaires. En bas il y a un pédiluve. Ouais, je pense qu'il a envie de sauter là-bas. Je sais pas si vous voyez sur le plongeoir. Vas-y. Toujours pas ? Le tour jusqu'à là-bas. Là, ça part dans tous les sens. Là. Il y a plein de. Là, sous les petites tribunes, plein de recoins. On ira voir tout à l'heure. On met ta lampe. Là, même le béton, hein, il a vécu. Hein. Après. Ouais. Non, on n'ira pas se baigner. Hein. Il est immense ce bassin. Hein. On va aller voir tous les autres bassins. C'est que des bouleaux, les arbres. Elle devait être jolie, hein. Oh, ça doit être le bassin en fond. Bon, bah, c'est des marécages maintenant. C'est blindé de libellules de partout. Un des grosses. Donc le bassin enfant avec plein de libellules. On va aller voir le plongeoir. Bon, t'as posé plonger alors. Ah oulala, ça passe pas par là. Allez, on va faire comme si. Ça, ça doit être un bassin super profond. Non, on n'en voit pas le fond. Profondeur 4 m50. C'est quoi ça? Plongeoir 5 mètres.
bassin intérieur là-bas. On va aller voir. Vraiment immense. On va monter sur le plongeoir. Pas trop envie de tomber dedans. Parce qu'il n'y a aucune échelle pour remonter. C'est bête. Hop là. On va monter sur le premier plongeoir. Ça donne pas trop envie. Hein. On va passer par là. Ah, on a une route à côté là. Avec la vue est magnifique. Voir les bassins intérieurs. Ah, il y a le bassin enfant. Et là, c'était le bar. Magnifique bassin intérieur. Et on peut y descendre. Il y a un être humain là-bas. Saute. Morte. Si. Elle est morte. Bon, il y avait une souris. Qui s'est barré. Allez, je suis un fou. Pas peur, hein. Oula, ouais, mais on génère. Bon, bah, c'est vraiment désaffecté. Génial. Elle est partie dans le tube. Bon, bah, on va la laisser. Bon, ben, il y a un petit peu des crapauds morts. Ils ont dû tomber dedans, les pauvres. Ouais. Ils ne peuvent pas repasser. Voilà. Et là, on a papier. Allez, on va aller voir les intérieurs. Il faut remonter. Oh, il y en a une autre. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est blindé de souris là-dedans. De quoi, la souris? Elle était dedans. Alors, je vais prendre une lampe.
aller visiter l'intérieur. Là, c'est très, 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 très sombre. Très intéressant. Oh. Il y a encore du monde hein, dans ce... D'ailleurs, on y parle. Dans cette piscine. Ah, c'était les cabines pour changer, je pense. Ouais, c'était toutes les cabines pour changer. Là, c'était l'entrée. Une grande salle, pas trop quoi ça servait. On ira par là-bas. Elle est belle la vue de là. Voir les intérieurs. Ah, c'est ce qu'on avait vu avec le pédiluve. Ça a ramassé. Pareil, ça devait être des cabines pour changer. Il doit y avoir les machineries en dessous. Waouh ! Il nous a trouvé. Tu vois les machineries ? Ouh, c'est trop beau ce type. La suite du tag. Oui, c'est machinerie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va faire une dernière petite vue d'en haut.
Bon ben voilà. C'était la piscine olympique. Bon ben, zone rendez-vous pour un prochain urbex. Je suis encore en route. Oh. On va aller voir un truc et on revient. Allez, à plus.